voyageur, pourquoi je sors de l'ombre, vous m'avez appelé, me voici, me voilà. Idiot, alors je le fais sans la barbe, ça sera moins drôle. Bonsoir, c'est idiot d'apparaître à visage nu. Je dis bien sûr bienvenue au ministre, et quand il y a ministre chez Guillaume Durand, il y a charcuterie chez moi, et ça, c'est très important. Je serai toujours vraiment extrêmement exigeant là-dessus. Charcuterie égale ministre. Alors c'est un schéma, c'est une équation un peu compliquée, nous n'avons pas le temps de vous l'expliquer, mais beaucoup de gens suivent cette idée, savent que j'ai raison, et sont prêts à tout, à faire des dons pour moi, vous donner soit une jambe, soit une somme d'argent, et avec cette somme d'argent, j'achèterai des jambes que je leur rendrai. Ce n'est pas... le thème ce soir. Ce soir, nous avons voulu ici faire un forum jeune. Les jeunes n'ont pas assez le droit de parler à la télévision. Alors, je ne pense pas seulement au fils du ministre. Je sais qu'il est producteur de reggae. Moi-même, j'ai un fils qui est ministre dans un salon de coiffure pour dames. Donc, je ne parle pas de ces jeunes-là, mais d'autres jeunes, des jeunes qui représentent la rue. Si la rue existe, quand je dis rue, ça peut être boulevard, avenue, enfin, c'est la voirie parisienne. Et évidemment, la province que je salue, je suis crevant, crevé, enfin les deux. Bonsoir les jeunes, bonsoir les jeunes. Vous allez tous parler. Vous êtes nombreux, vous représentez un panel de jeunes, on va essayer tous de vous donner la parole. Ça va être sympa, là vous passez bien le micro. Qui veut poser une question? Qui veut... Alors toi, Pierrot? Chut, calme-toi mon petit. Pour moi tout va bien, vraiment tout va bien. Donc le ministre, tout ça, l'école, ça se passe bien? Alors d'autres questions peut-être? Pour vous passer bien le micro, Thierry? Le ministre, super. D'accord, donc d'autres jeunes qui veulent s'exprimer? Alors d'autres jeunes. Toi, on t'a pas assez entendu. Attention, mon petit, sois bien, bien sage. Écoute, mais on t'a pas entendu, toi. Très, très content. Charlotte. Étonnant, hein. Les gens sont formidables. D'autres, il n'y a pas de raison. Non, là, c'est pas drôle ce que tu fais, là. Tu es invité à la télévision et tu fais des blagues de te mettre un égouttoir sur la tête, tu sors. Voilà. Les jeunes sont globalement contents. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Sors avec ton égouttoir, toi. Oui, non, la blague de l'âne, c'est trop tard. Je peux pas faire l'âne. J'avais toute une blague avec l'âne, c'est pour ça que j'ai fait ce truc lamentable à la plage, je suis désolé. Pierrot, merci de m'avoir aidé, les gars. Je suis désolé, ça aurait dû être drôle, il y avait un âne, on serait marré. Bonsoir. Trop tard.